déjà. Mais regarde pas toi. Voleuse va. Voleuse va. Yo l'équipe FeeRaptor, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va parler des codes pour la pioche Minty. Avant de démarrer les vidéos, les gars, je voulais m'excuser. Je pense que ma voix, elle est un petit peu cassée, elle est un petit peu bizarre, je trouve. Enfin bref, j'espère que le rendu sera beaucoup mieux sur YouTube. Car voilà, je viens de rentrer soirée, j'étais chez une amie, 18 ans, bref, vous connaissez les bails. Du coup, c'est toujours un petit peu arrosé. Mais enfin bref, du coup les gars, avant de démarrer la vidéo, comme d'habitude, je compte sur vous lâcher un maximum de pouces bleus par rapport à la dernière vidéo. J'ai vu que vous étiez là à me donner du soutien. Du coup, j'ai pris énormément d'abonnés, hein, les gars. Vraiment, pendant la semaine, j'étais pas là, j'ai pas créé de contenu. Mais j'ai quand même pris des abonnés grâce à vous, car vous avez lâché un maximum de pouces bleus sur mes dernières vidéos. Et du coup, les gars, vous le savez très bien, quand on met beaucoup de pouces bleus, bah, ça permet de référencer la vidéo et de me mettre dans les recommandations. En tout cas, faites-moi péter la barre de like et n'oubliez pas, en haut à gauche de l'écran, je mets le petit code créateur Raptor avec 3 O si jamais vous voulez le rentrer dans la boutique d'objets ou alors pour acheter des packs dans le jeu, comme d'ailleurs le nouveau pack est arrivé à 30 balles qui est vraiment magnifique et il est bueno. En tout cas voilà, du coup les gars, aujourd'hui on va parler des codes pour la pioche Minty, comme je vous l'ai dit, comme vous l'avez vu également dans le titre de la vidéo. Du coup, je vais vous proposer aujourd'hui un concours qui va vous permettre de gagner un code pour la pioche Minty. Bon, tout d'abord, je vais vous faire un petit topo rapidement en quelques secondes. C'est qu'en fait, voilà, vu que je suis à la fac, je suis quand même beaucoup plus libre que quelqu'un qui est au collège ou autre. Il n'y a pas des cours de 8h jusqu'à 17h. Il y a pas mal de trous dans la journée. Et du coup, voilà, à côté de ma fac, il y a un Micromania. Je me suis rendu au Micromania. J'ai voulu avoir des codes, bien entendu, vu qu'ils étaient sortis le jour même. Du coup, bah, je me rends au Micromania tranquille. Et je demande au vendeur, genre, s'il y avait moyen d'avoir quelques codes, de gratter quelques codes pour ma chaîne YouTube et tout. Du coup, le mec est un petit peu compréhensif, mais malheureusement, par rapport à la direction, il n'a pas pu avoir de code en fait. Et vu que les codes, chaque jour, c'est limité à 20 codes par rapport à chaque Micromania. Normalement, après, voilà, ça peut varier, ça dépend toujours de la taille du Micromania. Mais dans les alentours, chez moi, voilà, il y a 20 codes chaque jour. Et du coup, on est obligé de payer 20 balles minimum afin d'avoir un code. Et du coup, j'ai dit quand même à ma communauté, enfin, je vous ai dit quand même à ma communauté que j'allais avoir pas mal de codes, au moins une vingtaine. Mais malheureusement, ça s'avère un petit peu plus compliqué que prévu. Et je me suis dit, voilà, je vais pas repartir bredouille, je vais pas proposer une vidéo à ma communauté par rapport à un code que je n'aurais pas. Et du coup, voilà, j'ai réussi à obtenir un code. Parce que voilà, j'ai payé une figurine pop afin de faire partager à ma communauté le code Minty en question. Pour l'instant, moi, je me suis pas mis le code Minty. Voilà, ça m'intéresse pas pour l'instant. Je verrai un petit peu plus tard, je paierai moi-même. Enfin bref, je verrai bien comment je vais m'arranger ou alors avec un mec sur Twitter. Et du coup, les gars, dans la vidéo d'aujourd'hui, il y a un code Minty à gagner. Du coup, voilà, c'est vraiment pas compliqué du tout. Vous allez devoir mettre un petit commentaire, hein, un petit commentaire du genre « je participe » ou alors vous marquez, je sais pas, n'importe quoi, vraiment. Vous mettez un commentaire par rapport à ma vidéo, si genre si elle est bien et tout. Ou genre s'il y a des choses à améliorer, enfin bref, n'importe quel commentaire sera pris en compte pour le tirage au sort. Et du coup voilà, comme je vous l'ai dit pas mal de fois dans la vidéo, il y a uniquement qu'un code à gagner pour l'instant. Bien entendu, je vais essayer de m'arranger afin d'avoir des codes en plus grand nombre dans les jours et les semaines à venir. Et bien entendu, je vais essayer de m'arranger pour vous proposer du contenu de façon un petit peu plus régulière. C'est un petit peu la galère avec les cours, vu que voilà, j'ai quand même pas mal de cours au niveau du droit, au niveau de l'art. Et ça me prend beaucoup de temps, il y a les travaux dirigés à faire. Et du coup, je peux pas me permettre de créer du contenu en semaine. Enfin bref, je verrai bien peut-être pour le week-end créer pas mal de vidéos et après vous les poster en semaine. Parce que voilà, j'ai pas trop envie d'être inactif. Après, il y a ma communauté qui va perdre un petit peu le fil par rapport à ma chaîne YouTube. Enfin bon, je pense que j'ai un petit peu tout dit par rapport à la vidéo. J'espère vraiment qu'elle vous a plu, que voilà, que vous allez participer au concours. Et je pense que je vais faire un petit heureux par rapport à ma communauté. En tout cas, voilà, je suis quand même content de le faire partager à ma communauté, le petit code Minty. Je pense qu'il va faire plaisir et voilà. En tout cas, voilà, je pense que j'ai vraiment tout dit. Ouais, j'ai tout dit. Je suis vraiment en train de me répéter, les gars. C'est un petit peu la galère, je suis un petit peu fatigué. Enfin bref, après la vidéo, je vais aller me coucher. Sur ce, je vous laisse les potes, je vous laisse et bon, du coup, je vous dis à la prochaine fois sur ma chaîne YouTube. Hein, c'était Raptor. Ciao.